pour information, ce n'est pas une course. Contente-toi de me suivre comme un gentil garçon. Si tu me perds de vue, tu ne retrouveras pas ton chemin. Mais pas question de me coller. Un accident gâcherait mes vacances. C'est bon, ça va, j'ai compris. Allez, on y va. Eh bien, c'est parti. Conduis prudemment. D'abord Galdina, puis l'Estalum. C'est une rencontre due au hasard? C'est un peu trop gros pour une simple coïncidence. Si vous voulez mon avis, il nous suit à la trace. Mais pourquoi ferait-il ça? Décidément, je n'arrive pas à comprendre sa logique et ses intentions. Il fait pas très impérial comme type. Ni lucisien. D'où est-ce qu'il peut bien venir, ce mec? Si on peut l'éviter, ce serait bien. Sauf qu'on a besoin de lui pour entrer dans le disque. Enfin, selon lui. Et que pense le prince de ce mec bizarre? Bah... rien de spécial, c'est un vieux cinglé, c'est tout? Tout à fait. C'est juste un cinglé. Alors on est d'accord, on change pas nos plans. S'il essaie de nous arnaquer, on se tire. Noct, ça va les maux de tête? Pour l'instant, oui. Mais ils arrivent d'un coup. Pourvu que ça se déclenche pas quand t'es au volant. Si ça va pas, tu t'arrêtes, hein. Y aura des sanctuaires sur la route? Je vois qu'il y en a un qui veut camper. Et d'autres qui veulent un vrai lit. Un sol bien dur, c'est ce qu'il y a de mieux pour le dos. On pourrait pas essayer une caravane pour une fois? C'est pas si génial, la belle étoile. Au rythme de la nature, sous les étoiles, y a rien de plus beau. En plein air, pas de règles idiotes. Pas d'horaire à respecter, par exemple. Pas de rêve. Que diriez-vous de faire une pause ici? Dis donc, on devait pas rejoindre Cotès. L'Archéen ne va pas s'envoler. Et nous, on n'est pas arrivés, avec toi comme guide. Bref, on campe ici, et avec Cardine. Ça sera sans moi. Dans ce cas, je vais monter la tente. Ah, personnellement, je n'ai jamais aimé le grand air. Je préférerais plutôt payer pour profiter du confort d'une caravane. Il est pas un peu tôt, là? Comme ça, on sera prêts.